Sept signes que votre relation amoureuse ne va pas durer. Vous êtes en couple depuis quelques semaines ou quelques mois déjà et vous vous demandez si votre relation va durer. Je vous présente sept signes que votre relation sentimentale n'ira pas loin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en rencontre amoureuse et développement personnel. Et dans cette vidéo, on va voir 7 signes que votre relation amoureuse ne va pas durer. Alors le premier signe, c'est peut-être le plus évident. Mais si vous vous posez la question de savoir si votre couple va durer, c'est qu'il y a déjà un problème. Ou en tout cas, un déséquilibre dans les sentiments. Au début d'une relation, on ne se pose pas la question de savoir si le couple va durer, mais au contraire, vous profitez de votre compatibilité au maximum sans vous poser de questions. Deuxième signe, cela fait quelques mois que vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas de souvenirs marquants forts ensemble. Ici, je ne parle pas forcément de voyage à l'autre bout du monde. Mais si vous n'avez pas un souvenir fort, c'est que votre histoire est plate et finira vraisemblablement rapidement. Troisième signe, vous ne connaissez pas réellement votre partenaire. Je parle ici de ses rêves, de ses objectifs, de ce qu'il ou qu'elle aime faire. Même s'il est difficile de se livrer rapidement, si au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous ne connaissez pas réellement votre partenaire, c'est qu'il ne désire pas en savoir davantage sur vous. Et donc, préparez-vous à ce que votre relation amoureuse finisse rapidement. Quatrième signe, il y a trop de marques d'affection en public ou sur les réseaux sociaux. C'est très fréquent, votre relation parle sur les chapeaux de roue. Déclarations d'amour, messages d'amour sur les réseaux sociaux ou en public. Vous êtes dans l'illusion de l'amour, car finalement, vous compensez votre absence de communication par des déclarations enflammées qui s'essouffleront aussi rapidement qu'elles se sont allumées. Méfiez-vous, c'est le piège le plus courant. Trop de marques d'affection en public, rapidement, votre relation n'ira pas loin. Cinquième signe, cela fait quelques mois que vous êtes ensemble et vous vous voyez rarement à l'extérieur. C'est soit chez vous, soit chez votre partenaire. Aïe, cela signifie qu'il ne veut pas officialiser la relation amoureuse. Également, si au bout de quelques mois, vous n'avez pas en projet de rencontrer sa famille ou ses amis, ce n'est pas bon signe pour votre relation amoureuse. Sixième signe, votre partenaire pointe vos différences de goût, vos différences d'envie. Votre partenaire est en train de vous signifier que vous êtes incompatible et que la fin est très proche. Car là, il ne s'agit pas de complémentarité, mais bien de différence. Septième signe, la bataille des égos. Si votre partenaire veut toujours avoir raison et n'essaye pas de comprendre votre point de vue, alors c'est que votre relation amoureuse n'est pas épanouissante ni pour l'un ni pour l'autre et que la fin est donc très proche. Huitième signe, c'est le signe bonus. Alors que votre relation amoureuse n'a commencé que depuis quelques semaines ou quelques mois, votre partenaire s'agace ou s'énerve rapidement. Votre partenaire ne connaît pas le mot « patience ». C'est qu'il faut en tirer les conclusions que malgré ses mots d'amour, il n'est pas réellement amoureux. Vous pouvez donc analyser votre relation avec ces 8 éléments et si vous constatez qu'il y en a plusieurs, c'est que la rupture amoureuse n'est pas si loin. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez tous mes conseils. De mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James D.